Isa en maternelle présente Ni vu ni connu de Michael Escoffier. Ce matin, Léon a bien mangé. Il s'est ensuite fait dorer au soleil sur un gros rocher. Et maintenant, Léon a très envie de faire caca. Il se trouve un bel arbre derrière lequel il peut se cacher. Mais au moment de s'essuyer, zut, plus de papier. Léon cherche ce qu'il pourrait bien utiliser. Des feuilles ? Non, ça pique les fesses. De la mousse ? Non, il va s'en mettre plein les doigts. Tiens, cette vieille culotte devrait faire l'affaire. Elle appartient sûrement à quelqu'un. Cela dit, je ne vois pas qui s'aventurerait jusqu'ici. En plus, elle est trouée. Allez hop, Léon s'essuie les fesses. Une fois son forfait accompli, il jette la culotte dans un buisson et retourne sur son rocher. Eh oh, faut pas se gêner. Hein, quoi? Qui a parlé? Oui, toi là, tu crois que je t'ai pas vu? Léon scrute les environs. Personne. Y a quelqu'un? C'est moi, ta conscience. Ma conscience? Qu'est-ce que c'est? Je suis la petite voix qui résonne dans ta tête chaque fois que tu fais une bêtise. Mais je n'ai rien fait, moi. Tu en es sûr? Certain? Promis, juré, craché? C'est-à-dire, il y a bien cette culotte. Ah, on y vient. Et depuis quand on a le droit de toucher aux affaires des autres, hein? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? C'était une vieille culotte pleine de trous. Je me suis dit qu'on avait dû la jeter là. Ben voyons. Et tu t'es pas dit que son propriétaire avait pu la perdre, hein? Ou qu'on la lui avait volée? Tiens. Peut-être même qu'il venait juste de la laver et qu'il était parti faire un tour dans les bois, en attendant qu'elle sèche au soleil. Léon se sent tout bizarre. La petite voix n'a pas tort. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, frotte, fais pas semblant. Je ne veux plus voir aucune trace. Quand tu as fini, tu la mets à sécher et tu disparais à jamais. Sale petit lézard de sous-bois. Une vieille culotte pleine de trous. Pff. La prochaine fois, je te mange. Non, mais... Mon histoire est terminée.